YouTube, comment ça? C'est la suite, on est toujours avec l'émir Yassir du Caire. Et on va essayer de manœuvrer, assassiner des gens. Mais en fait, on galère. Est-ce que... Ouais. Ouais, je me doute. En même temps, c'est pas eux. Mariage entre le prince Amlal de Nubie et la princesse Ruza de Blémia. Ah, ça doit être là. Ruza, c'est elle. Bonjour. 24, déjà c'est mieux. Une religion et répondre à autre chose. Non, on va rester copte sur cette game-là. Dans d'autres games, on avait déjà créé des religions et tout, mais sur celle-ci, on va rester full copte. Alors attendez, là, faut, en fait, priorité à l'assassinat. Donc pour la thune, pour le grand mariage, on va attendre un peu. On monte à 71% en moins d'un an. On pouvait reboot le monde avec une partie de CK3, ce serait tellement drôle. Ce serait un peu violent le monde, je pense quand même. Hein. S'il était calqué sur CK3. Envers du mensonge. Sans de stress, bah non. Comment ça? Je passe beaucoup trop de temps à y penser. Oui, on va faire ça à la rigueur, mais... Ça recommence. On va trouver un moyen de déstresser. Hein. On va caresser le chat. Allez. Merci. D'accord, je trouve. Moi, comme d'habitude, hein, je n'y peux rien, donc ça ne sert à rien de le lire. Comté de Kata. C'est lequel, ça, déjà? Ah, il s'est backlin, oui, ça. Bon, on n'arrive pas à choper le duché en entier. Ah. Là, le problème, c'est que je peux pas revendiquer... Si, je peux revendiquer plusieurs à la fois. Bon. J'ai que 3 en territoire que je peux avoir. Ouais. Personne d'autre qui serait mieux du coup pour se marier là? Ouais, toujours le royaume de Nubie. Ici on en est où? 69% et on peut inviter quelqu'un en plus. 12. On monte à 81. C'est bien ça. Pas un grand mariage et une personne interne. Oui, je sais, mais en fait avant de faire ce grand mariage, avant l'alliance avec la Nubie. Où je sois sûr qu'il soit déjà plus allié avec les autres. Je voudrais faire ça un peu plus ou moins dans le même timing, quoi. Plus ou moins, bien sûr. On est sorti. Allez, on y retourne. Et là, vous allez voir, elle va découvrir le complot, et ce sera la merde. Confiance mal placée. Et 115. Non. Elle n'aura pas mon or. Ça ne sert à rien. Alors, les antilopes du Tigré, qu'est-ce que c'est? Gibier aperçu. On ira chasser peut-être à un moment. Allez, 3 mois. Moi pour la tuer. Mon intendant nous a quittés. On lui saigne le pieu. Putain! Et tout le monde sait que c'est moi. Bah super. Bon bah c'est un échec, hein. Ça me coûtait cher encore ce machin là. 25 et 27, 52. Ouais, c'est bon. Allez, on y croit. Pas assassiner les gens. Alors, moi, pour m'assassiner, par contre, il y a du monde. Hein. Bon, là, je deviens maître espion. Ah bon?
J'ai 9. C'est pas un échec, c'est que ça a pas marché, voilà, c'est ça. C'est fou quand même. Arrêtez à changer. Oui, arrêtez à changer. Ah, lui est mort. Non? Bah non. Okay. Non, mais il y a longtemps, en fait, j'avais pas fait gaffe. Japon, c'est Polonium, une discrétion, on fait pas mieux. Bah, on a Yotchak. On a Novichok qui est dans le chat, là, logiquement, s'il est encore là, donc on a tout ce qu'il faut, là. Ouais. Le réconfort dans les écrits. Allez. Les gongs. 9 mois, 8 mois, 7 mois, là, ça passe très très vite. La vie file vraiment à une vitesse, c'est incroyable. Salut Gilux. C'est pas un échec si tu as au moins tiré une leçon de tes erreurs. Ah, il faut qu'il y ait des leçons à tirer après. Hein, pas de leçons à tirer. Ça reste un échec. Hein. Et on peut avoir les deux. Le ventre plein. Par Saint-Joseph, je suis repu. D'accord. Je sens pas là. Un événement que je n'ai jamais eu. 135 balles pour un chat. Parce qu'il a fait pipi sur ton, sur ta chemise. Mais 235 balles, mais tu lâchais tout ta chemise. Pas chez H&M, c'est 10 balles. Allez, combien de temps? C'est bon. Allez, 95%. Oui, monsieur. Et personne ne sait que c'est moi. Il n'y a donc plus d'alliance entre... Pourquoi il y a encore une alliance? C'est bon, il n'y a plus d'alliance entre la Nubie et Monseigneur Lige, qui a 17 000 soldats quand même. Je pense qu'il y a les miens dedans. Je vais donc me marier, désormais, avec une princesse nubienne. C'est un coût moyen 600 balles. Hein. Ouf. Elle a quel âge? Elle a 12 ans. J'envoie la proposition. Et donc, je lui promets un grand mariage. Donc la question est désormais. What 6-3? Ouais, on a que 3, c'est la merde. Mais là, je peux repasser quand... Ah, quand elle sera majeure, je pourrais repasser en aide. Donc ça montera à 6-4. Mais ouais, tant que je suis pas roi, en fait, c'est la galère. La question maintenant est... Est-ce que... Je crée ma faction. Ou est-ce que je fais une faction pour l'indépendance? Je ne sais pas. La faction de dissolution n'est pas mieux. Bah, en fait, si je peux devenir déjà directement roi, en fait... pas mal, non? Ça, je deviens roi d'Égypte ensuite, tu vois. C'est pas un souci, mais... déjà roi de Blémir avant, quoi. Si je peux récupérer quand même à tout ça, c'est pas rien, quoi. C'est pas rien. Je sais pas, on a encore le temps de la réflexion. Hein. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, hein, parce que ils s'entendent mieux que les autres ducs. Entre mon seigneur et moi, Omer Calé, merci beaucoup pour le follow. Bienvenue. Omer Cal, pardon, je ne sais pas. Si Omer, en tout. Retour. Pas très longtemps encore, nos commis. À terme, si réussir, on est à capitale à Aksum. Non, je pense pas. Je pense que là, du coup, on va rester. On restera au Caire. Vu qu'on est égypto-éthiopien désormais. Bon. Une petite chasse pour dire complotiste. Comploteur, c'est différent. Comploteur, c'est ceux qui font un complot. Complotiste, c'est ceux qui croient qu'il y a des complots.
Ouais, bah après, pour l'instant, il n'y en a pas des... Ils me rejoignent pas, hein, globalement. J'ai personne avec moi. Sachant que là, le dirigeant suivant, c'est mon ami. Donc peut-être que si on assassinait son père, ouais, mais non. Et le truc, c'est qu'en fait, je préfère les inviter à mon mariage. Ah, vous pouvez... Non, non, je veux toujours l'Empire d'Éden, moi. Ça bouge pas. Ça ne bouge pas. Je prendrai pas l'Empire arabe. L'Asie ne m'intéresse pas, moi. L'objectif, c'est l'Afrique, les amis. Comment faire une chasse en liège? Ah, mais on peut pas choisir qui on invite à la chasse, si. En fait, je sais pas si ça pourrait amener un event. Ok. Attends. Petite chasse, par exemple. Parce qu'on fait gagner du prestige, chasseur. À aucun endroit, en fait, ça va me rapporter des choses pour le complot. Le truc, tu vois, quand on voit ce que ça apporte, ça dit pas vous pourriez devenir amis, vous pourriez machin, tu vois. C'est assez éloigné en fait comme truc. On peut modifier la liste d'invités, on peut inviter individuellement une activité. Ok. Et les problèmes avec la capitale de jurés, c'est pas le Caire, et qu'en plus l'Égypte n'est pas de jurés dans ton empire. Oh, bah, ça le deviendra. Je la ferai rentrer deux jurés dans mon empire. Tu sais, j'aurais pu faire, enfin, tu peux faire rentrer des royaumes entiers dans les empires ensuite. Hein. Ça prend du temps, mais c'est pas. Je vais déjà regarder. Je vais déjà attendre mon grand mariage. On va déjà faire le grand mariage. Et après, je vais voir comment je le manœuvre lui, en fait. Mais en attendant, ça n'empêche pas d'attaquer ses vassaux. Conquérir des terres. Donc je vais justifier, on va voir si je peux récupérer le duché de Bazin en entier. Ah, on peut recruter les gardes de la maison. Alors attends, qu'est-ce que ça m'apporte, les gardes de la maison? C'est quoi leur 40, 31, 24? Oh, c'est incroyable. Oh. Oh. C'est incroyable les gardes de la maison en fait. Ça coûte deux fois moins cher. Alors il n'y a pas d'avantage sur certains terrains. Mais il n'y a pas non plus de malus, du coup. Et on fait ça. Hein. Ça contre pas les mêmes hommes d'armes. Hein? Enfin, le stress, voilà, merci le chat. Pouet, 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 pouet. C'est terrible, mon trône et tout, ils vont tous. Oh, ça va tout être détruit, parce que je suis plus roi. Oh, ça me fend le cœur. Ouais. Mon vassal? OMG, c'est un ibadite. Oh mon Dieu. Convertis-toi. Tu veux pas? Eh ben super. Bravo, bel esprit, hein. Elle a quel âge ma fiancée? 13 ans. Dans 3 ans, on va lancer notre grand mariage, les amis. Ça va être absolument incroyable, j'espère. Ah oui, tout à fait, très loin. Oui. Bon, je peux toujours pas tout prendre donc. Carnal. Bah, attends, j'ai tout et j'ai pas le duché. Ah, désolé, mon vieux, mais je vais tout prendre, hein, je crois. Non, en même temps, attendez. Encore, j'économise de l'argent pour mon mariage. C'est qui le tuteur de ma belle de minuit? C'est sa mère. Qui est doué en intendance en plus. Il y a moyen qu'elle nous fasse une belle. Ah, il y a Chaste par contre qui est pas ouf là, mais.
Manipulation. Et pourquoi tout le temps stressé? Pourquoi tout le temps stressé, quoi? T'as stressé de la vie comme ça, en fait. Oh, souffle un peu. Écoute-toi respirer, c'est important. Écoute ta respiration, on est là, on est bien, voilà. J'ai plus de bannière de ma maison, malheureusement. Bon, là, j'aurai assez pour le mariage. Ça et... Je dis ça et je perds 500 balles, quoi. Je résiste. Oh, putain. Et pourquoi il stresse tout le temps? Dinguerie, hein, vraiment. Vous savez comment régler ces questions de stress, vous? Parce que, enfin, je lis quand même un minimum, hein, mais... Rendez-vous de moi, les faibles. Je lis quand même un minimum le truc, mais... Comment faire, quoi? Un pétard. Oui, non, mais je suis pas hachichin dans le jeu, malheureusement. Ça me le proposait pas. Carrément, moi, ça va, Laurent. Là, je fais chasse-festin, ouais. Ouais, ouais, mais tu sais, c'est pour... genre là, la suite d'event a fait cumuler du stress de ouf. La mort fait tomber le stress, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Titi Ganémide. Oh là là. Sacré Titi. Prisonnière. Gentille femme religieuse. Oui. Bon. Bon, bah, admettons, mais... Samson, là. Allez, hop. Samson. Tiens, d'ailleurs, en parlant d'hameçon. À chercher les secrets à la cour. C'est jamais. Peut-être avoir des vassaux qui rejoindraient ma faction. Cas échéant. J'ai 13 000 soldats. Et un allié à 20 000. Moi, je pourrais déjà la pousser, en fait, hein, là. La revendication. Âme sensible à cette. Bien joué. Bravo. D'ailleurs, il veut épouser ma mère, lui. L'émir de Delta. Mais il veut choper ma mère. Et je serai allié avec le Delta. Allez, j'accepte. Wesh Ozlou, re-wesh, re-coucou. J'ai de nouvelles alliances. Non. Non. Donc, niveau hameçon et secret. Alors, je suis pas spécialiste mode. Hein. Je trouve que c'est un peu trop. Et trop de pièces. Bon, et voilà. Pas Christina Cordula, mais bref. J'ai pas au grand mariage de ta mère. Bah non, j'ai le mien qui va bientôt arriver là. Je m'en fous de ma mère. Vous savez, moi je règne depuis 22 ans sur le trône. Hein. Je suis arrivé sur le trône à 0 ans, donc là. Je comprenne, tu n'es plus empereur, l'Empire existe toujours. Non, l'Empire n'existe plus, malheureusement. Ah. Ah tiens, toi, attends. Ouh, mais oui, c'est très bien en plus. Attends voir, toi. Je vais te faire chanter. Ils sont forts. Rejoins ma faction. Tac. T'as 10 000 soldats en plus. C'est parfait. Oh oui. Ah bah c'est oui. On est d'accord, on attaque maintenant en fait. J'ai deux fois sa puissance, sans compter mon allié, Nubien. On est d'accord. Est-ce que le chat valide
Si je me plante, ce sera de votre faute aussi. Je veux pas que ce soit que de la mienne. On y va? On fera le grand mariage pour la victoire. Ok. Allez. Il a accepté. Il a accepté. Oui. Ah, il est devenu roi d'Égypte, par contre. Oh l'enfoiré. Ah non. J'en peux plus. Bon, alors j'ai récupéré du territoire. Mais ce con est roi d'Égypte. Le royaume, il n'existait pas, en fait. J'ai envie de me tabasser les boules. J'ai récupéré mon ordre sacré, ouais. Celui que j'avais fondé. Bon. Bon, c'est bien, on est roi. Et lui, du coup, va me détester. Certes. Mais... ce serait bien qu'il y ait une guerre de dissolution là. On est à 18 000 soldats. On est à 18 sur 4. Je pense que mes vassaux vont me détester. J'ai désormais le retour de ma cour royale. On va aller faire un petit tour à la cour royale, ça fait longtemps. Ça nous avait manqué. Voilà. Ça nous a tellement manqué que le jeu galère à en refaire une. Regardez, il est en train. Là le jeu calcule. Là. Finalement, la guerre de dissolution, elle peut être intéressante. Bah non. Bah non, il aurait fallu tout reprendre d'un coup, sinon. Alors, Titouf. Merci beaucoup pour le follow, bienvenue. Enfer. Et... un peu transgressif, hein, c'est vrai. C'est vrai que là... bon, j'ai plus rien à accrocher, moi. Juste une tapisserie. Oh, j'ai plus rien de... oh. J'ai plus rien de ma dynastie. Alors, je peux déclarer la guerre. Pourquoi, du coup? J'y retourne. Allez, on y retourne. Hein. Duché de Delta. T'as combien de soldats? T'as toujours 11 000 soldats. Ok, compris. Ok, j'ai quelqu'un qui a une revendication sur le delta là. J'ai Zai là, c'est lequel? C'est ça. Shermata. Ok. L'émir Teferi, c'est mon vassal. Revendication sur quoi? Sur ça aussi. Ok. Et Iskinder? Sur l'Égypte. Sur le. Oui. On va lui déclarer la guerre pour le. Pour le Delta. C'est une région qui est hyper riche, j'en ai besoin. Ce qu'on va faire avant, par contre, c'est. On va modifier son contrat vassalique. Il aura une partition obligatoire. En échange, je baisse ses impôts. Voilà. Ça, il aura à la fois backline et ça, et ensuite ça éclatera dans sa succession. Et rue en gamelle. On va échanger ça. Ouais, je le changerai, ouais. Le grand mariage. Je peux, les majeurs? Ah oui, les majeurs. Bon, écoutez, on fait le grand mariage. Et ensuite, on fera la guerre. Bienvenue à ce courtois. Mesdames et messieurs, c'est l'heure du mariage. Enfin, c'est l'heure de planifier le mariage. On va le faire où? On va le faire au Caire. Hein, on n'est pas des bêtes. La capitale. Pour l'instant, ça nous coûte 548. L'objectif. On essaye de... attends. Ouais, mais non, je peux tuer que mes vassaux, en fait.
Ouais, non, je peux tuer personne. Y a personne d'intéressant à tuer, en fait. Donc, on va juste réduire la cible. Alors oui, ma fiancée, comme ça j'aurais pas besoin de faire le complot avant. Séduire, elle... bah, puis en plus elle est chaste, t'as raison, ouais, tout à fait, tout à fait. Maître Caravani, j'en ai pas besoin. Oh, trop bien. Incroyable. Vous avez vu? Si on visite des lieux d'importance, on gagne de l'expérience et du prestige. Oh, c'est énorme. Mais quel itinéraire? Je vais pas faire d'itinéraire, en fait. Les invités, non. Hein? Autre invité. Tout le monde est invité. Alors lui, il viendra pas. Chef de la foi, il va venir ou pas? Non, j'invite pas les rivaux. Le pape vient, c'est bien. Ou alors, par contre, ceux qui m'entourent, ils veulent pas, quoi. Bon, alors les musulmans, je comprends, parce qu'on n'est pas la même religion, mais... Kanem, bah Kanem, on est de la même famille, pourquoi tu viens pas? Ah, c'est trop loin, eh oui. Ouais. Attends, on n'a pas arrivé à temps. Alors toi, par contre, t'es juste à côté, donc mytho, quoi. Il y a 5-6 lieux à visiter, c'est une fois par vie. Ok. Grande tournée juste après. Bah, on fera la guerre, déjà, mais ensuite, on fera une grande tournée, ouais. Alors, acrobate et musicien. Troubadour et monstre exotique. Oui, ça va coûter cher. Mais, allez. On a la thune. Repas gargantuesque. Bonus à la perte de stress. Bonus de santé accru. 900, putain. Guirlande et torches, argent et or. Merde. Oh, on dépasse de 4. Oh, le seum. Bon, bah, on va enlever le repas gargantuesque, alors. Ça nous coûte 1000 balles. 1000 balles le mariage. Attends. Ok, j'attends, j'attends, j'attends. Ok. En vrai, ça va, 1000 balles pour un mariage, c'est pas cher. Ouais, c'est vrai. Bah après, je dis aussi aux gens d'emmener les couverts en plastique, quoi. Bon. Attends d'avoir les 4. Ouais. Ouais, vous avez... Attendez. On va attendre d'avoir les 4. Voilà, c'est bon, on les a. On va faire le grand mariage. Donc, le grand mariage. On y retourne. J'espère qu'il n'y a pas eu d'inflation entre-temps. Pour le coup, le dernier DLC, oui. Moi, perso, je kiffe. Toc, toc, et toc. C'est bon. On peut tout faire. C'est un buffet plus musicos, c'est vrai. Après, les musicos, c'est ceux qui font d'habitude tous leurs concerts dans la salle des fêtes Jean Roucas de Jean Jaujas, quoi. Donc, bon. Bah, si on ferait le mariage, oui, ça. Interdit les couverts en plastique, et non en bambou. Oui, mais alors Tata, elle a encore plein de stock. Donc, non, non. Quête. S'il est mort. Oh, oui, bah, on en a un autre. Peut-être pas très haut, je vois l'écran. Allez, le grand mariage. C'est parti. Alors, c'était mon chancelier en plus, terrible. Putain, regardez, il a 50 en érudition. Oh, oh la vache! Bon, allez, hein, 9 mois. Dans 9 mois, le grand mariage commence. En attendant, on garde un peu d'argent parce que je sens qu'il y aura des trucs qui vont nous pop pendant l'event. Attends. Elle est où la cour du roi d'Égypte là? Where is the roi d'Égypte? Oui, d'accord. Ah oui, je comprends en fait. C'est... Ok. C'est normal qu'ils se disent. Je vais pas arriver à temps. Tiens, viens chercher là. En fait, on peut clairement le foutre dehors. Hein. Il est trop loin pour mobiliser ses vassaux, ils vont pas le blairer les autres. J'ai des preuves de votre tentative de meurtre de Rusa. Oui, bah, tout le monde était au courant en fait. T'es qui en fait toi? T'es même pas chez moi en plus. Partez, dégage. Partez monsieur, partez. Le réconfort dans les écrits. Bon, eh bien, on déstresse.
J'espère. Pas sûr. Là, on déstresse, c'est sûr. Ok. On a bien déstressé. Oh, puis le mariage, c'est bon. Pas trop le démon que l'Empire n'existe plus. Ah, si. Si, si. Si, si, complètement. Je vais changer juste la couleur. Je vais changer la couleur de. Oh. De Blémia. Parce que le marron comme ça, beige, là, c'est moche. C'est moche de ouf. On va se faire un petit jaune orangé, là. Moutarde, moutarde. Voilà. On n'y voit rien. J'ai rien dit, on rechange. On va se faire quoi? Un petit. Ouais, plus orange, quoi. Plus ça, voilà. On n'y voit rien. J'ai ma carte graphique, je te vois différemment, genre, t'es beau. Ah bah tu sais, aujourd'hui, l'IA, ça fait des trucs incroyables. On tire la gueule. Paf! Voilà. Il y a le Darfour qui est là, mais on. Voilà. Pas grave. Non, c'est moche. On va y arriver. Vous voyez comme je gagne du temps dans le mariage là? J'ai pas envie de me marier. J'ai peur. Peut-être que je vais dire non sur l'autel. Les guerres offensives ont été fatales. Non, c'est pas ça, c'est les assassinats surtout. Surtout les assassinats. Bah, je pense, oui. Il y a une technique après, hein, mais je. Vous perdez 72 balles, d'accord. Comptez de damiettes. Ça marche. Ah, c'est sur YouTube, une vraie pépite, ouais, c'est clair. C'est le moins qu'on puisse dire, ouais. Ok. Mesdames et messieurs. C'est le mariage, c'est exaltant de voir enfin se produire une chose qu'on a passé tant de temps à prévoir. Ah mais elle aussi, elle a un. La fiancée, elle a plein de pièces autour. On a passé du temps à prévoir et on a dépensé. Les décorations sont disposées, les invités discutent entre eux, les domestiques circulent, les bras chargés de mets. De mets? De la mets en fait. Elle est sans pas, au comble de l'enthousiasme et de la nervosité lorsque ma future épouse, Asha, se montre enfin radieuse dans ses plus beaux atours. Non, mariage normal. Pas un mariage sanglant. Parce que sinon, pour la nuit de noces, on est quand même assez embêté, quoi, si c'est sanglant, mais. Les mariages sont juste la politique, me dis-je. Oui. Et en fait, on veut la séduire. Ah oui? Ok, alors je l'ai déjà séduit, en fait. C'est fait, ça devient mon âme-sœur, instant. Bien. Oui, c'est une amie, c'est ça. Une fois qu'il y a de la mettre à un mariage, je suis pas invité. Pour ton plus grand bien. Elle me sourit, je le sais, tout ira bien. Bah, let's go! C'est bon. On va pouvoir faire une superbe nuit de noces. Le prince Amar de Nubie, mon beau-frère donc. Même si l'organisation d'un mariage digne de la renommée de ma famille n'était pas assez stressant, je dois aussi gérer la famille de Hacharé. Ça c'est terrible. Hein. Mon beau-frère se plaint tout le temps. Et il m'énerve. Il aime pas les fleurs. Ok, ça fait des stress encore. Du mariage Breaking Bad, mais c'est ça. Qu'est-ce que. Mais pourquoi j'ai un Vishnouite? Il y a un Vishnou. Il y a un hindou. J'ai un hindou à mon mariage. Barrez-vous, allez l'éviter ailleurs, s'il vous plaît. C'est rusty. C'est une photo, quoi. Bon, qu'est-ce qu'il veut encore, mon beauf, là? Les préparatifs, hein. Quel dommage de n'avoir trouvé personne de mieux pour notre pauvre achat, mais ainsi va la vie. Pardon? Mais t'es qui, en fait, toi? Bah. Ah oui, d'accord. Bah non. C'est un défi, c'est ça? T'es pas content? T'aimes pas Dick? Attends, 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 attends. Moi, je te défonce en prouesse, mon gars. Ouais, ouais, tu sais pas à qui tu parles, là. Ah ouais, voilà, c'est l'embrouille là. Sexuel ou pas? Non, c'est plutôt Didier l'embrouille. Mais... lorsque la cérémonie atteint enfin son paroxysme et que l'on nous demande notre consentement formel, j'y prête à peine attention, excité comme je le suis par la célébration imminente. Une montagne de plats. Oui, ok, je suis excité par la bouffe en fait. Des plats, de la boisson.
Rien à foutre du oui ou du non, mais là je dis non. Allez, sans empiéter. C'est parti. Maintenant on bouffe. La cérémonie s'achève. Et on se dirige vers le banquet. Je souris par deux verres moi en pensant aux joies que la vie conjugale avec Acha me réserve. Tout le monde n'a pas la chance d'épouser une personne aussi aimable. Alors c'est vrai que j'aime pas dire du mal des gens, mais en effet elle est aimable. Oui, c'est ça, Shnabi, c'est vrai en plus. Pour du repas, là. Alors attends, en plus, Shnabi, le mec dit ça. Il a littéralement passé son séjour en Allemagne à poster des photos de bouffe. Hein, bon. Les ballonnements de la nuit de noces. Alors attends, non, pas de ballonnements, j'espère. Gabriel, l'évêque suffragant. C'est un Goa'uld en fait, c'est Gabriel. Il a des opinions très intéressantes, il fait des très bonnes blagues et on semble avoir beaucoup en commun. Lorsque je raconte une anecdote, il m'écoute attentivement et fait les remarques appropriées au moment opportun. Ça vient mon ami. Oui. C'est normal que je ne sois pas... Me too. Ok, alors je suis devenu pote avec le mec que j'ai rembarré en fait. Comme quoi, hein. Enfin, mon beau-frère, quoi. Putain, oui, le frère de ma femme. J'ai bien trop envie de rester en amicale compagnie de Gabriel. Non, mais, mec. Va avec ta femme, ne reste pas avec le curé. Bon, je reste avec le curé, c'est bon, on va voir ce que ça fait, hein. À chaque fête, sans exception, il y a un. Il y en a un enquiquineur têtu, mal avisé et collant qui parle et parle encore. Cette fois, c'est Haram qui trouve intelligent de m'exposer une foule de complots sans montrer la question d'en exécuter un seul. Ok, ouais, il y a toujours un tonton complotiste à un mariage, de toute façon. C'est insupportable. La salle est envahie par un défilé d'acteurs, de musiciens dansants et de charlatans exotiques qui ravissent moult invités. Près de mon siège, le Amir et Amiran Chapour de Syrie. Ah putain, mais il y a les Syriens. Putain, mais incroyable, les Syriens sont venus. Hein. Et les Toctamides, c'est lesquels les Toctamides? C'est eux, là. C'est les Kurdes, en fait. Enfin, c'est les Tadjiks aussi. Attends, ils sont tous Tadjiks, c'est incroyable. Chapour, quel plaisir que vous amusiez. Allez, on fait ça, comme ça on gagne 300 en érudition. Meilleur pote avec les Syriens, quoi. La vue, le goût, le toucher, l'odorat et même l'ouïe. Aucun sens n'est négligé par la délicieuse nourriture servie ce soir en abondance. Fabuleux mélange d'art et de gastronomie. Près de mon siège, le cher Massoud et le Wali Gejopal discutent à propos du menu. Se régale Massoud. Voilà, ça, c'est un festin. Targby continue, quoi. Au moins, il y a du mouvement, commande Gejopal d'un ton acerbe. Les plats défilent si vite que j'ai à peine le temps d'y goûter. Il aurait mieux valu aller un peu plus lentement. Oh, ça va. Ça va, franchement. Est-ce qu'en Vicky 3, ce sera la prochaine game après. Après mon retour de l'étranger. Enfin, une fois qu'on aura terminé cette game-là. Les mariages au 12e et au 21e siècle, c'est toujours pareil, en fait. Bah oui, c'est ça. Ça nous rappelle, alors attends, rien de vaut un festin, ça nous rappelle à toutes les bonnes choses de la vie et avoir de la compagnie n'est pas si mal non plus. Du moins, ceux qui sont assis près de moi semblent le penser. Vous êtes vraiment fabuleux, Yassir, me dit du cher Jaoudat. Oui, bon, voilà. D'ailleurs, on fouille internet l'histoire de la confrérie des connards. La BES, oui, c'est ça. Peut-être plus jovial qu'à mon festin. À deux mon festin? Je sais pas. Ça fait du bien parfois de rester assis, de profiter des petits plaisirs de la vie. Putain, tu m'étonnes. Moi, vous me mettez un dimanche, un repas de famille et tout. Dernier à décoller de la table. Alors, je me sens bien ici. Ouais, c'est vrai. Allez, moins 170 en stress. Ok. On a bien mangé. On a bien bu. On a, comme on dit, la peau du ventre, etc. etc. C'est la nuit de noces. Il va falloir assurer, les gars. Là, attention, hein. Le festin commence à s'assagir.
Quand tout le monde a mangé et s'est dépensé, mais pour Racha et moi, la journée n'est pas finie. Un cortège d'invités nous conduit à notre chambre à coucher, car le mariage n'a pas encore été consommé. Merci qui? Merci. Cours. On a un peu de stress pour la nuit 9, faudrait conclure. Ouais, ouais, mais non, faut pas trop que je stresse, sinon on est foutu. Allez, c'est l'heure. J'ai loué des liens avec ma belle-sœur. Oui, alors attends, pas juste au moment de la nuit 9, s'il te plaît. Attends un peu, attends un peu. Racha et moi sommes conduits à la chambre par les convives, parmi les chants, les cris et les rires, afin de débuter la cérémonie du coucher. On va couper la cam, ouais, tout à fait. L'archevêque Kélil bénit notre lit conjugal avant de nous mettre au lit, de nous verser des coupes de vin fort et épicé, et de nous demander de les boire. Ah non, mais j'ai déjà picolé. Non, je suis déjà plein comme une barrique, là. Non, non, non. Nous nous regardons avec bonheur, tandis que la fête commence à s'éloigner, enfin seule. La porte se ferme derrière le dernier convive, et le groupe s'éloigne dans le couloir, même si nos familles ont sans nul doute l'oreille collée au battant. Bon, alors, soit on est un peu pressé, et on lui dit qu'on a attendu ça toute la nuit. Votre mariage avec la Malika est destiné à produire de nombreux descendants. Ok, donc on couche avec, ok. Soit je baille. Soit il faut encore que je picole parce que là... alors, c'est ce qui est jamais la bonne solution. Si vous vous dites... ah merde, bon, bah, c'est compliqué. Ne buvez pas en plus. Ça ne va jamais arranger les choses. C'est ce qu'on m'a dit, quoi. Mais bon, allez, on y va. C'est bon, j'ai mis mon maillot, j'ai mis ma casquette, c'est bon. Venez, j'ai attendu ça toute la nuit. Dans le jeu ou IRL, hein? De quoi? Comment ça? C'est parti. Oui, oui, donne tout, là. Ça a duré plusieurs jours, là, ou c'est moi? Attends, ça dure plusieurs jours? Quel coup incroyable. C'est un pote qui m'a raconté, bien sûr, tout à fait. Conclusion. Dans le dernier invité... Ah ouais, c'est bon, on a bien réussi. Hein. J'inspecte les lieux du festin désormais désert. Les restes de nourriture, les verres de thé renversés, le souvenir des rires et des chants, et je me sens satisfait. Cette journée époustouflante, j'ai fait du beau travail. C'est le moins qu'on puisse dire. 1200 prestiges. On va réformer la culture, là, les amis. On a obtenu un peu de thunes. Haute merveilleux. Donc plus de prestige mensuel. Encore plus de prestige mensuel. Oh là là, superbe. Merci à vous tous d'être venus, hein, bien sûr. Merci d'avoir assisté. À la grande saillie princière, comme aurait dit un humoriste qui à l'époque était peut-être un petit peu drôle, c'était le grand coup de langue sur la grosse veine bleue. Voilà. Oh, j'ai changé de chapeau. J'ai changé de chapeau. Incroyable. Ok, eh ben écoutez, très bien quoi. Niveau culturel, on va peut-être changer la culture, non? On peut là. Qui disait tout à l'heure que tu galères avec le prestige, bah là on dirait pas. Alors j'avoue que là, ouais. Changer la culture, merde. Ah non, c'est pas moi le chef culturel. La grande tournée, c'est si fort. Ouais, ouais, bah attends, attends. Attends, attends. Ce qui est fort aussi, c'est la guerre. Donc. Bon, attendez, parce que j'ai pas encore assez de revendications. Peut-être faire une grande tournée en fait. Parce que ça sert à rien d'attaquer l'Égyptien pour le moment. Oula, c'est quoi cette révolte, cette faction là? Des pécores. C'est qui ça? Ah oui, putain, attendez, il faut que je donne des duchés. Il faut impérativement que je donne des duchés, sinon c'est... Alors toi tu vas te convertir par contre, merci. Sinon c'est la merde. Oula, mais pourquoi ils sont tous musulmans là? Et dites donc. Oh, tiens, prends le duché, toi. Take my duchy. Voilà. And take... hein? Voilà. Ouais, sinon, ça la fout mal. Thomas Salk a une revendication sur le du... sur... Le duché de... Ah oui, oui, pardon, c'est vrai que c'était mon vassal, pardon, sur le duché de Delta, oui, c'est vrai. Bien vu. Ah ouais, alors peut-être. Alors attends, faut juste que je fasse gaffe sur un truc, moi c'est sur mes territoires. Parce que là, techniquement, je peux donner l'émirat d'Axum.
Et lui, je peux lui rendre le duché qui était à lui de base. Et je vais le faire d'ailleurs. J'ai pas peur de le faire. Voilà, il est content, c'est bon. J'avais atteint la limite de vassaux là, donc vassaux. Je sais pas combien. Elle est où la limite déjà? Limite de vassaux, je suis à 17 sur 40, c'est bon. On a de la marge. Je pense que t'as commencé en 867. Ouais, tout à fait. Je commence toujours en 867. 1066, je trouve ça un peu trop tard. Enfin, t'as pas trop le temps, t'es obligé de te speeder pour plein de trucs. Moins fan. Trop si. C'est à qui ça? C'est à moi ça? Attends. On va le donner à quelqu'un. Iskinder. Pour Nakis. Tac. Merde, il y a Wade ici. Zut. Ah bah oui, mais lui, il était partout, ok. 1066 pour les succès, 867 pour kiffer. C'est ça. Alors moi, les succès, vu que je ne cours pas du tout après, c'est littéralement ça. Alors ici, pas pour l'instant. Est-ce que... Ah, le duché de Sinaï, il faudrait que je le crée. Donner à qui? Copte Mashriki. Copte égyptien? Ouais, plutôt égyptien. Ah, il n'est gaffe, il dépend pas de... Oui, il dépend pas du Sinaï, c'est vrai. Bon, l'autorité de la couronne, je trouve que 1 c'est horrible et nul. Oui, non, mais je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire. Oui, calmez-vous, calmez-vous. Osez, c'est pas horrible, c'est pire. Et lui, on peut lui donner le duché ici. C'est quoi le duché déjà? What? Ok. Bah, c'est bon. Bah, 6 sur 4 toujours, mais putain, j'ai quoi comme tête? Bon, bah là, je vais donner. Ouais, je vais donner ces territoires là aussi. Je donne Aksum, c'est une insulte à ta dynastie, surtout la perte d'un lieu saint. Putain, mais il faut doser un peu, les gars. Une insulte, c'est un jeu. Hein. La perte d'un lieu saint, oui, mais bon, j'ai encore Alexandrie. En fait, je suis en trop, donc j'ai trop de territoire. Ah, ou sinon, non, attendez, j'ai assez de piété. Ok, attendez, calmez-vous. J'ai assez de piété. On va révoquer le bail ici. Il n'y a pas de demi-mesure. Non, mais on n'est pas sur Twitter. Ok, comme ça, je peux donner. Je peux donner ça à quelqu'un. Voilà. Ok, 5. Et là, j'ai pas assez de piété pour le moment. Donc, on va rester à 5 sur 4 pour l'instant. On n'est pas sur Twitter. Ah oui, non, on n'est pas sur Twitter. Étonnamment. Hein. Ok, ma femme est enceinte. Direct après le mariage, let's go. Ok. Bon, les factions, il n'y en aura plus. Hein. Pour l'instant, on est Yimbe. Alors, à part lui qui fait une faction de dissolution, bah alors juste non, en fait. On reste tranquille. T'as pas d'autres titres oubliés plus utiles à donner. Non. En fait, j'ai soit ça. Il me reste plus que ça. Maintenant. Ça fait 50 ans que je suis dessus, là, je vois bien à peu près l'étendue de mon territoire. Bon, alors lui, du coup, on peut déclarer la guerre sur les revendications de... C'était Teferi, hein, c'est ça. Hein. Non, c'était pas Teferi. C'est Iskinder, justement. Ah, bah c'est lui, oui, il faut que je modifie le contrat vassalique, parce que je l'avais pas fait. Alors, il m'aime pas. Mais ça va le faire. Bon, on y va. Mesdames et messieurs, la conquête du delta du Nil pour un de mes vassaux. Mais quand il va mourir, ça va éclater en deux. C'est maintenant. Allez. Il avait qu'à venir à mon mariage. Ça se trouve, il est venu en plus, je sais pas. Tac. On va appeler nos alliés nubiens. Bonjour, ça va bien? Bonsoir. Ah, bonsoir, bonsoir, oui. Pareil.
Ah bah elle peut pas venir, oui bah non, je suis con. Est-ce que... Elle est loin de ma maison. 1700 soldats, bah oui on prend tout là. On prend tout, on prend tout. Et l'émir de Delta, bah non, du coup non. Du coup non. On peut pas donner un point de plus sur l'intendance. Voilà. N'oubliez pas, hein, pour l'exclamation backseat, bien sûr. Maxi. On est revenu en 5-5, tout à fait. Putain, ils sont là. 12 000 ici. Ok. La musique, elle est incroyable. Qu'est-ce qu'il veut? Ah, bah, il y a. Oh. Oh, c'est laquelle, ça? Oh, c'est oui. Oh, j'accepte. J'aurais retiré un truc ici, du coup, il m'en redemande un. Il me donne 1100 balles. Oh, j'accepte. Allez-y. Oh, je vous baille à rente sans problème. Ok. Donc, Derna, c'est fait. Il nous faudrait Sulum. Non. Ah, je sais pas. Si, allez. Allez, on fait ça. Je redeviens confiant, les amis. C'est terrible, hein, ça va faire comme avec le DFCO IRL. J'ai l'espoir, donc je vais être déçu. Mon maître espion a découvert un secret caché par le Malik Bekele d'Égypte. Ah d'accord, il a une maîtresse. Attendez. Attention, mon rhume. Je vais révéler tout ça. Ça va pas être très content chez Ivasso, si tu vois ce que je veux dire. Du frac comme général d'armée, ouais, ça. Secret déviance de l'émir Teferi. Alors, lequel? Mon vassal? Ah, ouais. Ah, mais c'est mon ami, donc je m'en fous. Je vais pas. Non, je vais pas aller le chercher, quoi. Allez, mes alliés, s'il vous plaît. Je voulais me suivre. Ce serait ma fille et héritière, Nishan. Parfait en plus ça, pour les transports et tout, c'est nickel. Si j'ai un fils, il s'appellera forcément donc Renaud. Hein ? Qui va l'éduquer ? Bah moi en fait. Oh les lâches, oh les lâches. Oh les salauds. Ah mais il se casse encore une fois plus vite que le rombre, hein. C'est un truc de dingue. Hein. Allez petit, let's go. Plus 15. On continue. Réalisation forcée, oui. Ok. Je vais leur trouver mon empire. J'y crois. C'est mon rêve. Mon droit d'y croire par le pouvoir de Damien Jean. Et en plus, c'est mon anniversaire. Let's go! Ah, par contre, il chope super vite. Il doit avoir des armes de siège de ouf. Ouais. Et là, ils vont essayer d'assiéger la capitale. Oula! Ils vont y arriver. Faut que je me mette à la tête de mon armée. Je suis où? Je suis là. Non, pas lui. Ah, 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 ah. Ok, c'est bon, ils sont cassés. Zanif, c'est quel DLC? Je sais pas du tout. Je sais pas. Friends and Foe, j'imagine. Parce que c'est tes amis qui viennent t'apporter un cadeau, donc Friends. Eleven Pack? Ah, peut-être.
va libérer nos territoires là parce que. Ah mais re-enceinte. Non mais arrêtez d'essayer d'assiéger ma capitale tout le temps, enfin. Combien de temps? 17 mois, bon ça va. Là, 4 mois. Ouais, je pense que c'est celui-là, Artarus, j'imagine. Perdre du temps, interrompt les complots chez moi. Pouette, 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 pouette. Ah, ils sont 12 000 là. Ils vont venir assiéger ma capitale donc. Très bien, j'arrive. Espérant que ça le fasse. Que mes alliés ne sont pas du tout là. Ça le fait, ils sont arrivés. À bonne heure. On est à 30, on va libérer Gizet. Mon fils est héritier. Yes. Bon, on va pas l'appeler Renault, c'était pour la blague tout à l'heure, mais. J'ai jamais eu ça, les seuls trucs que j'ai pas, c'est Friends and Foe et Tours and Tournament. Ouais, bah ça doit être ça du coup. Attention, libération du territoire revendiqué. Hein? Si c'était drôle. Ouais, bon. Cocasse à la rigueur, mais. Là, aller plus loin. Bon, il sera militaire, lui. Il n'aura pas le choix. T'es pas chaste, toi, c'est bon. Hein? Non. Pouet, 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 pouet. Pas de génie, pas de magnifique et pas non plus d'Herculéen. Non. Orthodoxe libanais, ouais. Ah ouais, c'est celui qui éduque mon héritier. Ah non. La guerre a été invalidée, mais pourquoi? Est-ce qu'il est mort? Alors qu'il est mort. Oh, quel connard. Oh, je suis abattu, il est mort. J'ai fait la guerre pour rien. Blanc donc. Oh, je peux lui déclarer la guerre à l'Égypte. Hein. Parce que du coup, Kadir, il a hérité des mêmes revendications. Paf. Allez, on y retourne. Bonsoir à tous. Alors, c'est parti, mesdames et messieurs, c'est parti. Mouette, mouette. Et la Nubie qui entre dans la danse. Le Canem qui entre également dans la danse. Et Mora qui va venir. Vas-y, ce point, chevalier. Ouais. Ouais, Robert, incroyable. Wallon, un Belge. Bienvenue, mon vieux. J'ai personne qui pourrait faire mon truc. Allez, c'est parti. Elle pourra le prendre ce delta quand même. Et alors par contre, faut... Ouais. Ils sont de retour. On y retourne. Si on pouvait capturer le roi, ce serait quand même pas mal. Hein. On ne l'a pas capturé. Mais l'a déjà bien repoussé. En géole. En joule. Ah. C'est le début. Empire Mongol arrive. Comment ça, ils sont bourriates? What the fuck?
Bon bah j'espère que... Allez les Razakid, vous avez bien tanké s'il vous plaît. Please. Faites pas les cons. Comment? Itas de Géorgie qui pourrait rejoindre... Bah non. Bah non, 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 moi je refuse par contre là. Un non négatif mon vieux. Ça recommence. Bon, ouais, on s'en fout. On s'en fout. Allez, on retourne à Doumiat. Non mais revenez là, vous. Qu'est-ce qu'ils font les alliés là? Ça peut faire une fixette sur Bourriat. Bah oui, bah pardon, mais... Pas moi. C'est le jeu. 5 générations de dirigeants. Non, non, 2 je crois. 2-3. En termes de génération, je veux dire, mais. L'Empire d'Eden risque d'être un véritable défi. Ouais. Ah, il y a la culture syrienne qui existe désormais. Incroyable. Hier, je démâcherai qui. Bon bah les alliés, vous en occupez. Hein. Moi je conquiers les terres là. Pas le time. Putain, il rejoint. Quoi fait? Mais les Géorgiens, mais que. Quoi? Oui, il vous arrivera des bricoles un jour. Je veux pas faire oiseau de mauvais augure, mais il vous arrivera des bricoles. Hein. Ah ouais. Chiant. Un chais. Voilà. Allez hop. On y retourne. Bonsoir. Bon, allez, voilà, on se met tout sur le delta, on occupe ici, on verra le reste plus tard. Ma femme est re-enceinte. Ils assiègent le Caire. Non, c'est bon, ils assiègent Gizeh, c'est ok. Maintenant, ils assiègent le Caire. Mais mes alliés s'en occupent. Oh, ils sont bien, mes alliés. Là. À vous, je vous aime bien. Les Nubiens, vraiment. C'est des mecs comme ça. Oh. Magnifique. C'est magnifique ce qui se passe. Nouvelle fille, Fatima. Et elle fera quoi? De l'intendance? Mais ma première fille, elle fait quoi du coup? Elle va faire de l'intendance aussi. Allez, viens les taper. Plaît. Les soldats sont prêts. 80%. On va libérer Gizeh, ça devrait aller, ça va monter tout seul maintenant. Voilà, c'est bon. Parfait. On va réussir une guerre. Let's go, baby. C'est bon. On peut disperser nos armées. Ah, bien. Et je me pose déjà une question. Il manque juste l'argent et on peut usurper l'Égypte. Let's go. Let's go. Oh, il a déjà 100 consacrés, lui? Oh. La potentielle future héritière. Non, c'est un héritier. Arsenios. C'est un nom très grec, d'ailleurs, mais... On pourrait usurper l'Égypte. Hein. C'est bien. C'est juste en fait là. Alors j'ai peut-être des gens à rançonner. Ouais, du mal. Il y en a 2-3 rançonnables, mais c'est quand même pas énorme. Ah, sauf. Oui. Mal. 350.
Et la rançon. Accepte. J'espère que son éducation sera bonne, ouais, tout à fait. Bah, avec notre curé libanais orthodoxe, là, ce serait pas mal. Bon, je suis content. Je suis content, parce que rappelez-vous, il y a quelques heures de jeu, quelques VOD, on était quand même pas bien. Là, on a potentiellement 18 000 soldats. On est la deuxième puissance après la Nubie, mais on est allié à la Nubie. Donc il va vraiment falloir qu'on entretienne cette alliance pendant longtemps. La Nubie qui a bien avancé au sud. Hein. Fasse gaffe quand même. Bon, on les éclatera à un moment, mais ça éclatera peut-être la succession. Et oui, il y a le royaume d'Abyssinie qui est là. Oui. Le banni repenti, merci pour le follow. Bienvenue, tout un programme, ce pseudo. 409. Allez, dans 5 mois, logiquement. Même pas d'ailleurs. En un mois. Bah non, même pas d'ailleurs. Yes, on usurpe l'Egypte. Nous sommes officiellement à la tête du royaume d'Egypte, mesdames et messieurs. Alors qu'est-ce qu'on garde? Est-ce qu'on prend en titre principal Blémia ou l'Egypte? Qu'est-ce que vous préférez, vous? Je retravaillerai de toute façon les deux drapeaux. J'ai trop de vassaux, mais je peux plus en soustraire, du coup. Comment je fais, du coup? Je peux plus créer de titres? Genre des duchés, des trucs comme ça? Genre, je sais pas, si ici, par exemple, tu vois, là, moi, j'ai deux vassaux, là. Bah, si, il y en a un des deux, je le fais... vas-y, j'avais le titre, hein, je le fais duc, et du coup, j'ai plus qu'un vassal. Sinon, bah... Je vais les rendre indépendants, quoi. Égypte, ok. Égypte, t'as ta capitale au Caire. Quelle capitale t'apporterait le plus? Bah, en vrai, c'est l'Égypte. Hein. Enfin, Aksum aussi, on l'avait bien développé, mais bon, l'Égypte. Symboliquement, c'est beau, l'Égypte. Allez, on rend principal. Nous sommes désormais à la tête du royaume d'Égypte. On va encore changer la couleur, désolé. Là, on va le faire bien rouge, là. Bien, bien rouge pastel, quoi. Et je changerai le drapeau de toute façon. Voilà. Très bien. Je suis grave endetté, la conquête de l'Empire byzantin coûtait cher. Ouais, bah là, du coup, il faut que t'attendes. Et au pire, si tu sens qu'il y en a un que tu peux... Peut-être t'en lâches un ou deux, histoire de... Que tu reconquériras plus tard. Si vraiment ça te fait trop de malus, quoi, mais... Au pays à distance du vôtre. Bah non. On est littéralement à côté. On peut éloigner du vôtre, mais non plus. Hein. Enfin, genre vraiment pas. Hein. On est vraiment à côté, Michel. Ah. Vassalisation. Numéro 1. Oh, j'ai même pas assez d'argent pour les... Alors attendez. Plus 4. Vassalisation numéro 2. On tente, hein, on tente des trucs. Okay. Pour le drapeau, c'est pas bugué le changement. J'ai pas encore changé. Hein. J'ai pas encore changé. Peut-être pour ça que ça... Ok, donc vassalisation numéro 2. Problème de Darfour, alors là on peut pas, c'est logique. Ici, elle voudra pas non plus. Elle est en guerre. Bon. YouTube. Sur cette reconquête de divers titres de royaumes, notamment le nouveau royaume d'Égypte, je suis content parce qu'il y a quand même 5 heures de ça, 5 heures de jeu de ça environ, on était vraiment dans la sauce, à deux doigts d'arrêter. Je pense quand même que l'objectif final est quand même assez compromis, ça nous a vraiment retardé énormément, mais bon, c'est pas grave. On prend toujours du plaisir sur cette game, j'espère que vous aussi, en regardant CVOD, vous prenez du plaisir. Donc petit pouce bleu, commentaire pour le référencement, et puis un abonnement, c'est pas fait. À bientôt, bisous.